Petite interview pour le Fantasta des 30 Glorieuses. Alors qu'est-ce que t'attends du retour là aujourd'hui? C'est la première fois que je viens. Je m'attends à me marrer de ouf, de ouf, de ouf, parce que je n'ai fait que écouter tous les podcasts 40 milliards de fois. Bah, on est heureux, ça a manqué pendant les vacances et on revient rigoler, on avait perdu l'habitude. On a été obligé de replonger dans les anciens podcasts pour un peu rigoler. Et j'avoue que le mois d'août était bien triste, sans eau. Franchement, j'ai attendu tout l'été. Hein. Mais on vous prépare plein de surprises et honnêtement, je pense qu'on va faire une saison de folie. Qu'est-ce que t'attends de cette nouvelle saison là? La rigolade, comme d'hab. Qu'est-ce que t'as écouté cet été pendant que t'étais pas là? Cet été, beaucoup de musique, mais les autres podcasts, non, pas vraiment intéressant. Ah, toi, tu fais partie de l'équipe, alors qu'est-ce que tu penses du podcast? Bah, c'est le meilleur podcast de France. Alors, est-ce que t'as un mot à dire à ceux qui sont pas abonnés? Alors, abonnez-vous, 5 euros, c'est moins cher qu'une consultation chez le psy. Les 30 Glorieuses avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Attends, parce que là j'interviens comme ça, mais on m'a dit que tu mettais fin à ta carrière. Oui. Quelle carrière? Avec ta grosse tête, c'est ton petit cousin. Comment tu t'appelles le petit cousin? Léandre. Hein? Léandre. Mais venez du Moyen-Âge, les deux là, c'est quoi vos blases là? Léandre et. Et mon père arrive, Godefroy. Avec ma tante Cunégonde. Rachid, comment il va? C'est news, ils avaient. Mais arrête de dire bonjour aux gens, tu vois pas qu'il y a des micros. L'autre, on dirait, il est dans la rue. Salam, je peux avoir un grec? Je peux te poser une question? Les Arabes pour ou contre? C'est tombé pile sur le débat de ce matin. C'est news. Ah, vous êtes sponsorisé par CNews.